Ok, on est samedi matin. On a un peu bouleversé le programme. En gros, on était censé démarrer ce vlog hier soir en arrivant. Boum ! On vient d'arriver en Islande. Première étape, il faut qu'on vérifie sur une application si il y a des aurores boréales. Parce qu'on n'est pas sûr. Donc on comptait un petit peu sur cette première nuit d'hier pour pouvoir en trouver. Sauf que... on a... Il y a eu la... Ouais. La brume. Bienvenue en Islande. On avait des bons KPI qui nous donnaient environ 30% de chance de voir des aurores boréales, ce qui est un peu moins, mais ce qui est quand même fort. Le problème, c'est qu'il y avait des nuages sur toute l'Islande. Là, on va aller voir les prévisions. Où en fait, on voit du coup que les prévisions augmentent. Dans 25 minutes, il y aura 18%. Là, on est à 16%. Le problème, c'est qu'on a une couverture nuageuse de 100%. Donc c'est embêtant. Donc en gros, c'est mort. Bah en gros, là où on est maintenant, ouais, c'est, ça veut dire qu'il y a des nuages de partout, quoi. Ouais, on bouleverse un petit peu le programme. Programme du jour, on va aller faire les fjords du nord. Non, on va faire le tour, enfin le tour non. On va aller une au bonne bout. Partie des, voilà. Des fjords pour atteindre une plage de sable jaune. Dans le... Ça peut paraître un peu banal comme ça, mais en Islande, c'est un peu atypique. Donc c'est le but, on va essayer de trouver ça. Bonne nouvelle, le beau temps arrive quoi.